Bonjour, je suis le docteur Sadoum, âgé de 46 ans, et je travaille sur la mémoire avec ma coéquipière Jeanne Delcourt. Comment se passe la sauvegarde ? C'est très simple, la sauvegarde, chaque personne a un rendez-vous chez le médecin toutes les années pour faire son vaccin qu'on appelle le vaccin mémoire. On implante sa clé USB qui lui est attribuée dans la nuque, dans le port USB qu'on greffe à la naissance. Et on effectue la sauvegarde et on l'envoie au gouvernement pour qu'il les trie correctement. Tout à l'heure, on a fait la sauvegarde sur Maxime. Maintenant, on va les mettre dans l'ordinateur pour les envoyer au gouvernement, qu'ils puissent les garder et si jamais il y a un accident, qu'on puisse lui remettre. Ces souvenirs sont là. De beaux souvenirs, hein. Très beaux souvenirs, en vrai. Le but de cette expérience, c'est de pouvoir redonner la mémoire à tous ceux qui l'ont perdue. Comment êtes-vous organisé ? L'organisation, c'est simple, hein. Il y a des réunions avec ma collègue Jeanne Delcourt et toute l'équipe technique avec laquelle je m'entends parfaitement bien. Bonjour, je m'appelle Jeanne Delcourt. Je travaille sur la médecine régénérative avec mon collègue docteur Sadoum. Hello, what do you think of that medicine? I think this idea to be able to find his memory is great. Moreover, it is stored in field so that we can find it and insert it into our memory. Thanks to a USB input graft at birth of each newborn. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 16 ans. Pourquoi vous êtes là ? J'étais sur mon scooter flottant et je me suis fait renverser par un bus à propulsion. Quels sont les effets secondaires ? Les effets secondaires sont que je dois réapprendre à marcher avec la rééducation. Allez, monsieur, on y va. Tu travailles de nuit cette semaine ? Non, c'est une soirée. Grâce à cette opération, les médecins m'ont rendu la mémoire. Je les remercie de tout mon cœur. Avez-vous quelques minutes ? Oui. Que pensez-vous de la médecine régénérative du cerveau ? Je trouve que c'est un grand pas pour la médecine. Des millions d'humains vont en bénéficier. C'est extraordinaire. Bonjour, je suis le docteur Boston, spécialisé dans la création d'organes artificiels depuis maintenant plus de 3 ans. Comment avez-vous eu l'idée de créer des organes artificiels ? J'ai eu l'idée de créer les organes artificiels parce que pendant mes années de médecine, une personne de ma famille est tombée gravement malade et n'a pas pu recevoir d'organes à temps. J'ai coopéré avec le docteur Cola pour créer ces organes, tout en commençant par un prototype de cœur. Et en ayant testé ce cœur, les résultats ont été très positifs et qui nous a donné le courage de continuer à en fabriquer. Bonjour, je viens vous apporter les dossiers des analyses de prise de sang. J'ai coopéré avec le docteur Boston qui vient de la prestigieuse université de Harvard, tout comme moi bien sûr. Nous avons commencé par créer un prototype. J'ai quand même donné plus mon temps que lui, mais soit. Ensuite, nous avons testé sur un des patients et cela aboutit à un résultat positif. Quels sont les avantages du cœur artificiel ?
Les avantages du cœur artificiel, déjà il est plus petit, plus énergique. Ça permet un battement régulier même après l'effort. Bonjour monsieur Fernand, comment va ce nouveau cœur? Bonjour, de mieux en mieux. Alors voici monsieur Fernand, opéré du cœur il y a 3-4 jours. La preuve que l'opération s'est bien passée, parce qu'il va bien et il va aller de mieux en mieux, en espérant que ça dure. J'ai été opéré d'une mucoviscidose et grâce à cette opération, j'ai pu reprendre mon activité de footballeur professionnel. Les démarches ont été moins compliquées parce que je n'ai pas eu à attendre un don d'organes d'une personne vivante. Parce que ces organes sont produits à la chair. Action! Allez, tous en place sur le plateau. Berchman, c'est ok. Micro de l'interview. Silence sur le plateau. Clapman, s'il vous plaît. Moteur, ça tourne. Action! Bonjour, je suis reporter pour la chaîne CISF. Je vous épargne les détails car cela serait trop long et moustachant. De plus, nous sommes là pour vous. Présentez-vous. Bonjour, je suis Madame Hopschmann. Je suis docteur en relations high-tech humain. De nos jours, ces deux sujets sont très liés. Quels sont les objectifs de ces inventions? Les objectifs sont de toper la vie des êtres humains en créant de nouveaux objets technologiques. Avez-vous essayé certaines fonctionnalités qui n'ont pas fonctionné? Nous avons voulu créer un médicament qui permet de respirer sous l'eau, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Comment ça? Notre cobaye, Jean-Patrick, est malheureusement parti trop tôt. Nous t'aimons, Jean-Patrick. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Toutes mes condoléances, mais revenons-en au CatSci. Quelles sont ces nouvelles fonctionnalités? Alors, il y a le Sound Control qui permet la tranquillité, le paiement oculaire et bien évidemment la vision nocturne. Merci, nous en avons fini. Au revoir. Hé, vous avez vu le nouveau robot de sciences physiques? Il arrête pas de bugger, du coup c'est moustachant. J'avoue, c'est énervant, tu peux pas le réparer toi? Bah si, je pourrais le réparer, mais c'est pratique, il nous donne tout le temps les réponses, on est d'accord? Bon, on mange quand là? Et au fait, n'oubliez pas, demain on se fait une bouffe. Hein. Et puis un écran aussi. Ouais, il y a Avatar 14 qui vient de sortir, ce serait cool qu'on aille le voir ensemble. Ouais! Trop bien! Et t'as vu, c'est ce film-là qu'on va aller voir? Ouais, Avatar 14, c'est ça. Et sinon, Corinne et Ismaël, elles peuvent pas venir. Ah bon, c'est dommage. Ouais. Salut les gars. Salut. Salut. Et Corinne et Ismaël, elles peuvent pas venir. Ah bon, c'est dommage. Mais par contre, je me suis fait implanter mes nouvelles lentilles. Ah c'est fou ça, ma sœur jumelle aussi. Comment éviter la diarrhée? Madame Popette. Oui? Veuillez entrer. Installez-vous.
Mais pour les 4 sizes. Ouais. Non, non, allongez-vous, allongez-vous. Oh, mais monsieur, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Bah, que ça fasse mal. Ça va pas faire mal. Bonjour. Ce serait pour quel film? Avatar 14, s'il vous plaît. Avatar 14. Voilà. Du popcorn? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Paiement? Oculaire. Merci, salle Zegma. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue dans votre jardin intérieur. La température de votre jardin est de 22 degrés. Cat size. Heureusement que j'ai pris une sonde de contrôle, hein, parce que sinon elle était grave souvent celle-là. Ouais, c'est vrai qu'elle aurait été souvent. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va pouvoir profiter du film. Ouais. Nos voitures ont beaucoup évolué ces 30 dernières années. Plus besoin de volant ni de pédales, elles ont gagné en autonomie. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous compte par vous-même. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous envoie pour conclure des appels d'ici 10 minutes. Beaucoup augmenté entre 1900 et 2050 et elle continuera encore d'augmenter jusque dans les années 2100. Ah. On est au niveau du projet? La polymérisation se passe bien, je dois juste vérifier au MEB sur les diffractions X. Est-ce que le réchauffement climatique cause des problèmes sur votre projet? Avec le réchauffement climatique, il fait entre 40 et 45 degrés, alors il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que la chaleur apporte assez d'énergie aux routes solaires pour en donner aux voitures autonomes. Et l'inconvénient, c'est que quand il y a trop de chaleur, les composants s'abîment. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrange. Dites-moi, quel est votre projet? Nous travaillons avec un ingénieur sur la mise en place des voitures autonomes. Il me tient informé toutes les minutes de chaque progrès que nous faisons. Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire, ce qui est très pratique car en France, aujourd'hui, 80% des routes le sont déjà. Vous n'avez pas eu des problèmes avec la nuit? Eh bien, si, car nous n'avions pas pensé au fait qu'il n'y avait pas de soleil la nuit et nous sommes d'ailleurs en train de reprendre cette partie-là du projet. Ça fait quelques années maintenant que nous travaillons sur ce projet
et nous sommes très heureux de finaliser. Allez, suivez-moi. La boîte de vitesse est aussi autonome. Les vitesses sachent se changer toutes seules et à quel moment elles doivent changer. Elles freinent également seules. Vous n'avez pas peur des accidents ? Non, car en cas d'accident, elle prévient directement les secours et nous avons un bouton juste ici qui permet de décider si nous voulons de reprendre le contrôle de la voiture lorsqu'il n'y a pas trop d'énergie. Salaud Coutances. Que pensent les citoyens des voitures autonomes ? Bonjour monsieur, désolé, je suis pressée. Une petite minute, une petite question. D'accord. Que pensez-vous des voitures autonomes ? Je trouve que c'est très innovant. L'idée d'abandonner les allumages fossiles pour l'énergie solaire, c'est très bien. Pensez-vous en acheter une dans le futur ? Oui, j'adore la nature, les animaux. C'est une peau de phoque. D'accord, merci. Attendez. Excusez-moi mademoiselle. Non, désolé. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui, bonjour. Puis-je vous poser une question ? Oui. Que pensez-vous du projet des voitures autonomes ? Ah oui, moi je dis, monsieur Macron, faut qu'il baisse le prix du carburant ! Monsieur Macron n'est plus président depuis 35 ans. Hein ? Monsieur Macron n'est plus président ? Ah oui, je suis d'accord avec vous, il est cher le carburant. Bonjour, excusez-moi, puis-je vous poser quelques questions ? Oui. Que pensez-vous des voitures autonomes ? Bah c'est bien, mais moi en tant que mécanicien automobile, j'ai plus de mal à réparer des voitures autonomes que des voitures normales. Pensez-vous en acheter une dans le futur ? Oui, si le prix baisse. Je voudrais cette planche qui vole. Flyboard. Oui, bien sûr, j'en voudrais un, s'il vous plaît. Il faudrait que j'appelle mon collègue. Okay. Mon fils m'a parlé de ça, mais je ne sais pas ce que c'est. À quoi consistait-il ? Le flyboard a été créé en 2048 par Edward Einstein. C'est un moyen de locomotion à une seule place. Depuis sa création, plus d'un million de personnes ont cet engin chez eux. Il avance à une vitesse moyenne de 50 km/h, mais en vitesse de pointe, il a une vitesse de 180 km/h. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Marius! Joyeux que je voulais tant. Vous appelez-vous ? Marius. Êtes-vous content de votre course, Marius ? Oui, content. J'ai failli perdre,
ne pas arriver sur le podium. Mais mon camarade, je l'ai battu, il est arrivé deuxième. Voulez-vous faire des concours internationaux ? Oui, mais il faut s'entraîner beaucoup si on veut être sur le podium. Merci d'avoir répondu à une question. À bientôt. Au revoir. Je sais pas, on va bien voir. Bonjour. Entrez. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Le moteur qui marche jamais. Bienvenue. Que puis-je vous proposer ? Nous cherchons un voyage assez inhabituel, quelque chose hors du commun. Je dois avoir ça. Je vais vous faire une présentation papier parce que mon ordinateur ne marche plus. Donc je vais vous proposer le top 1 des ventes en ce moment. Il s'agit de Paris Végétal. Oh, il est sympa. Ah non, pas Paris. Il y a trop de végétation, j'aime pas trop la verdure. Ça va pas être possible. Je peux vous proposer Las Vegas. Oh non, rien qu'à voir l'image, j'ai le vertige. Vraiment, là, t'abuses. Hein. Non mais c'est pas de ma faute. Nous avons la Chine, la tente sur une colline. Pour passer une nuit, c'est vraiment extraordinaire. Je l'ai fait. C'est pas mal, non ? Attendez, n'abusez pas. Certes, on vous a demandé de l'aventure, mais là, ça va être quand même dur. Hein. J'ai vraiment le voyage, le tout dernier, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de Mars. Le voyage sur Mars. Ça, c'est le top du top, ça, c'est super. Ça vous plairait ? Ah oui. Vraiment ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc c'est un vol de 92 heures dans cette navette. C'est très luxueux. Je peux pas trop vous en dire parce que moi-même n'ai pas fait le voyage. Mais les images qui ont été rapportées... c'est magnifique. Vous voyagerez avec cette vue-là. Vous... verriez tout ce qu'on voit à la télé. Oh, regarde, un astéroïde. Ah oui, c'est magnifique. Hé, regarde, on est arrivé. Oh, il était temps. 92 heures de navette. Oh, on s'en va avant le pire. Allez, on est parti. Bonjour, bienvenue sur Mars. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passé votre voyage ? Alors, le voyage était un peu trop long, mais le personnel était quand même accueillant. C'était très confortable et très spacieux. Quelles sont vos premières impressions sur Mars ? C'est magnifique. Il y a des grandes montagnes rouges. Très peu de monde, c'est différent de chez nous. Bien, disons que le sol est très sableux, très rocheux. L'air que nous respirons provient d'une bulle et ça a un tout autre goût que la Terre, cet air. C'est tout juste incroyable, c'est incroyable. Bah, merci, bon voyage. Asseyez-vous là. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Je vais vous poser des questions sur la viande artificielle. Eh ben allez-y, posez-les. Monsieur Brunetto, pouvez-vous nous expliquer quel est pour vous l'enjeu de la commercialisation de la viande artificielle ?
Mon objectif quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet était de permettre aux gens d'avoir une alimentation plus saine et moins coûteuse. Comment vous est venue l'idée de ce projet ? J'ai toujours été très engagé dans la lutte contre l'exploitation des animaux et passionné par la science et la chimie, donc après mon doctorat, l'idée s'est imposée à moi. Pensez-vous que cela a un impact important sur l'écologie ? Bien sûr, l'élevage de bovins, par exemple, gaspille énormément d'eau potable. Pourquoi la viande artificielle est-elle plus saine que la viande issue d'élevage ? Les animaux sont nourris avec des végétaux de basse qualité, sans parler des OGM. La viande artificielle est parfaitement saine. Entrez ! Mais que faites-vous là ? J'en ai marre ! Je suis éleveuse de cochons et de vaches et ce n'est plus vendu ! Ce n'est pas de ma faute si vos cochons gaspillent énormément d'eau potable qui est une ressource essentielle à la planète. Oui, mais c'est quand même vous, le directeur de cette entreprise qui a inventé la viande artificielle ! Oui, mais ma viande est plus saine et moins coûteuse. J'ai une famille, moi ! J'ai deux enfants qu'il faut les nourrir quand même ! Et après, je travaille pour rien ! Excusez-moi, mais vous devez partir, ce rendez-vous, je dois aller faire montrer les laboratoires à mon journaliste. Ok, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai un jour. Voilà nos laboratoires. Pourrais-je vous poser 2-3 questions ? Oui, allez-y. Comment avez-vous créé la viande artificielle ? On a créé la viande artificielle avec de la cellule soupe de vache, une pincée de sel, de la poudre d'œuf, de la chapelure, du jus de betterave et du sel. Quel est pour vous l'avantage de la viande artificielle ? Les avantages de la viande artificielle, c'est qu'elles sont, c'est moins gras, c'est plus respectueux de l'environnement et c'est de meilleure qualité. Tenez, voilà la nouvelle viande artificielle. Merci, j'ai hâte d'y goûter pour voir le goût que ça a. Comment trouvez-vous cette nouvelle viande artificielle ? Je trouve cette viande artificielle très exquise à mon goût. Ça n'a pas le même goût que la vraie viande. Au revoir, monsieur Brunetto. Merci de m'avoir accueilli dans vos entreprises. J'ai été ravi. Au revoir, ce fut un plaisir. Tu as vu le film qui est passé sur la 1 hier soir ? Ah oui, il était super ! Et sinon, tu fais quoi samedi soir ? Bah, j'ai rien de prévu et toi ? Moi non plus. Ça te dit qu'on invite nos potes d'enfance ? Bah oui, vas-y ! Ok, Clyde. Peux-tu envoyer un message à ma liste d'amis ? Que souhaitez-vous dire ? Pour un apéro dînatoire. D'accord, c'est envoyé. Merci ! Mais elle est super ta nouvelle puce ! Oui, je me la suis fait insérer dans l'oreille. Ah, c'est génial ! Bonjour, pourrez-vous m'accorder 2 minutes ? Oui, pas de problème. Quels sont vos achats ? Donc aujourd'hui, j'ai acheté mon repas pour ce midi. J'ai acheté un steak haché sous forme de gélules. Ce sont les nouvelles gélules que vous avez achetées ? Oui. D'accord. Si vous les testez pour la première fois ? Non, j'ai déjà plusieurs fois testé ces gélules. Vous êtes ravie ? J'en suis très ravie, ça gagne du temps et plus besoin de faire la vaisselle. D'accord, merci. Bonjour monsieur, permettez-moi de vous poser quelques questions. Bonjour. Que venez-vous d'acheter dans ce magasin ? Je viens d'acheter de la viande en gélule pour le repas. D'accord, et vous ne l'avez pas sur vous ? Non, j'ai passé ma commande et il me livre chez moi pour gagner en mobilité. D'accord, et qu'avez-vous acheté ? J'ai acheté un steak, un bon steak. J'ai acheté aussi une côte de porc et un bon filet de dinde. D'accord, ce sont aussi les nouvelles gélules ? Oui, ce sont aussi les nouvelles gélules. Vous les avez déjà testées ? Jamais. Eh bah, bien, bonne dégustation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, puis-je vous interrompre quelques instants ? Oui, allez-y.
Qu'avez-vous acheté dans ce magasin? Alors j'ai acheté ma viande de la semaine et là je m'en vais chercher mes enfants. Vous testez les nouvelles gélules? Oui, je teste les nouvelles gélules. C'est nouveau pour vous ou vous les avez déjà goûtées? Ah non, c'est pas du tout nouveau pour moi, je les teste depuis 2-3 ans déjà. D'accord, eh bien bonne journée, au revoir. Au revoir. Et ben, je suis tellement contente de vous retrouver les amis. Moi aussi. Ouais, ouais, c'est merci de nous avoir invités. Merci Zélina, c'est merci. Ah, merci. 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 On prendrait peut-être une petite coupe. Ah, faut trinquer, dans les yeux. Attendez, on attend, Clay. Yes. Exact. Allez, on cheese. Allez. Je vais aller chercher le dîner. Ah, bah oui, on commence à avoir fait un petit peu. C'est bon, c'est bon. Attendez, et voilà le nouveau. Ah. Donc pour l'entrée, nous avons de la Saint-Jacques ou de la salade, vous pouvez prendre les deux. En plat, nous avons du homard farci à la truffe avec ses betteraves. Et ici, nous avons le dessert, les profiteroles. Ah, ça donne envie. Mmh. Je pense que je vous attaque. Moi, je commence par... Oh, hey, c'est risqué, quand même. C'est pas mal. Il y a beaucoup de betteraves, elles sont vachement mal. C'est... Ah, merci. Elles sont bonnes, les betteraves. Hein. Ouais, il y a carrément... Oh, j'adore. Mmh. Les filles, qu'on se retrouve là, ici, ça me fait penser à nos années collège, au CF, quand on mange ensemble. Ça donne un coup de vieux quand même. Voilà. Zélina, il y a quoi comme dessert? J'ai pas. Je vous propose des profiteroles. Ça c'est pas mal. Je me sers. Je l'ai goûté une fois. Mais jamais en gélule. Ça fait longtemps. Ça fond en bouche, c'est succulent. Bah celle-là, c'est ma nouvelle recette que j'ai faite il y a quelques semaines. Ah oui, c'est vrai, tu travailles dans. C'est bon. Des diététiciennes, non? Ouais, des diététiciennes en gélule. Et tout est parti. Gélule, franchement, c'est un bon lieu. Je travaille demain, ça me brise le cœur. Ah, merci beaucoup. Tout est. À notre temps, même avant ou avant. Bonne soirée, hein. Merci. Bah, je crois qu'on a du mal à télécharger. Le pire, c'est le prof d'histoire géo, on a mis une heure à le télécharger. Bonjour. Sortez vos datapads, n'oubliez pas l'empreinte digitale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'époque de vos parents. Aujourd'hui, mercredi 7 décembre 2018, nous allons rentrer dans la peau d'un collégien pour une journée. Nous commençons par la destination du collège avec nos sacs sur le dos en bus. Il est 8h. L'arrivée est prévue pour 8h30, pile à l'heure où sonne le départ des cours. Moi, elle arrive quand la prof là. Toujours en retard comme d'habitude. Ouais. Bonjour. Bonjour. Qui est absent? C'est Elena qui est partie chercher ça. D'accord. Yames, tu n'as pas ta tenue thermoabsorbante. Non, je l'ai oublié. On va commencer avec la nuque. Aimeriez-vous vivre à l'époque de vos parents? Non, car maintenant il y a plus de technologie et avant ils devaient beaucoup écrire à la main.
Mais ils écrivaient beaucoup quoi, par rapport à notre à cette année, à notre année. J'ai remarqué que vous n'utilisez pas l'intérieur. Préféreriez-vous le faire à l'extérieur? Bah, ça dépend du temps. Quand il fait beau, je préfère le faire dehors, mais quand il fait froid, plutôt à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a plus d'espace, il y a plus d'air, il fait moins froid, à part en hiver, mais je trouve que c'est mieux. Préféreriez-vous avoir un professeur ou un hologramme en face de vous? Un hologramme, parce que ça met plus de temps à charger. Un professeur pour poser des questions. Merci d'avoir pris du temps sur ta récréation et bonne journée. De rien. De rien. Oh non, pas des exercices de maths. Bon, il n'y a plus qu'à demander de l'aide à la prof. Alors, tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais pu quand même m'appeler avant, hein. Il est quand même 23h, t'aurais pu faire tes leçons avant. Auriez-vous un instant pour me parler du sexisme? Je trouve ça inacceptable. Que les femmes et les hommes n'ont pas la même valeur. Avez-vous dans votre vie vécu le sexisme? Malheureusement, oui. Comme je pense la plupart des femmes. Donc aujourd'hui, vous êtes venue pour présenter votre application à ces femmes victimes de harcèlement, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Commençons par une question simple. Quel est le nom de votre application? Nous avons créé une application sur tous les téléphones du nom de ADS, application détecteur de sexisme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre application? Cette application envoie un coup d'électricité à la personne qui dit ou commet un acte de sexisme. Que fait la justice contre le sexisme? Le sexisme est puni par la loi et peut entraîner 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Quelles sont les conséquences du sexisme? Certaines victimes peuvent tomber en dépression ou, dans un cas extrême, peuvent se pousser au suicide. Comme toi, t'es très belle. Qu'est-ce que cette application a changé dans votre vie? Cette application a changé ma vie parce qu'avant je demandais le divorce et maintenant je vais faire ma vie avec. Ouais, maintenant on fait des sorties romantiques. Même moi je passe le palais, c'est pour vous dire. On va même au cinéma. Et puis avant, elle demandait le divorce et maintenant elle veut un gosse. Luttons tous ensemble contre le sexisme.
couper. Alors attends, ne coupe pas là. On va couper. Et là, il faudrait. On va resserrer pour pouvoir couper ce plan là. Donc, alors ne bouge pas. Oh, il y a de la viande dans votre film. Hein. Ouais. Et on va resserrer pour pouvoir avoir un. Quelque chose de plus. Alors là, tu vas pouvoir couper ou pas? Ouais. Ça va aller? Ouais. Donc là, on refait un plan. Vas-y. À toi. C'est bon pour vous ? Nous travaillons avec un ingénieur sur la mise en place des voitures autonomes. Et d'ailleurs... Il y a encore... Je sais pas. Bah, repose la question. Prenez des notes. Et là, si tu cliques là-dessus, Madame Rigaud, vous avez la parole. Avez-vous fait expertiser votre voiture après les faits? Si oui, il y a un autre témoin, le garagiste. Oui, j'ai fait expertiser ma voiture par Monsieur Rigaud. Les dégâts sont importants, ils ont été causés par des coups de cric. Madame la Présidente, mon client, bon père de famille, honnête homme, a perdu l'esprit momentanément. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je demande la clémence du tribunal. De violence. Et le tribunal vous condamne à la peine de 3 ans de prison sursis et 15 000 euros d'amende. Monsieur, votre carte à vue est terminée. Je vous rends vos affaires. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Madame Bouquet, avez-vous quelqu'un à appeler à la barre? Oui, j'appelle Monsieur Viguier à la barre. Déclinez votre identité et qualité. Je m'appelle Monsieur Jacques Viguier, je suis professeur d'université. Monsieur Viguier, que faisiez-vous le jour de la disparition de votre femme? J'étais chez ma voisine en train d'attendre ma femme pour prendre l'apéritif. Je regardais l'heure et après une heure d'attente, elle ne vint toujours pas. Monsieur Viguier, après la délibération du jury, je vous déclare acquitté. Michael Dupont, à la barre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé et comment cela s'est-il produit ?
fait cela. Comprenez-moi, monsieur le juge. Vivre dans la rue de nos jours, c'est vraiment pas facile. J'ai commis cet acte pour avoir un peu d'argent, car faut bien que je mange. Je dors à même le sol. C'est très dur, je suis énormément fatiguée. Regrettez-vous ? Je suis prêt à m'excuser de madame Ducarbonel, même si en ce moment j'ai un peu besoin d'argent. Avez-vous compris la leçon ? Oh, j'ai faim! J'en ai marre de ce cuistot, il est toujours en retard. Va lui passer une soufflante à la fin. T'inquiète pas que demain il sera à l'heure. Je vais chercher les plats. Tu feras quoi quand tu rentreras? J'embrasserai ma femme et mes enfants et irai me coucher. Et tout, et compterai mes exploits, si Dieu le veut. T'as raison. D'ici là, on sera sûrement touché par le scorbut ou... note de ces cochonneries qui traînent. Ohé, vous là-bas! Faut aller relayer Pierrot! Ça fait plus d'une demi-heure qu'il lève le pont! Oh non! Pas encore le pont, ça me gave! Apporte-moi ça ici! J'espère qu'on trouvera de l'or après tout ce travail! Qu'est-ce que c'est dur! Vous l'imaginez comment le monde? Bah, je ne sais pas, moi. Imagine, ils nous ramènent de l'or. N'y pense même pas, Maria. Tout ce qu'ils ramèneront, ça sera pour eux et le roi. Et ils nous oublieront, comme toujours. Ah non, n'abandonnez pas. Moi, le nouveau monde, je l'imagine grand, riche. En plus, j'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé un nouvel animal nommé le dindon. Ah, j'aimerais bien en manger. Plutôt que de me demander si je mange ce soir. Ils ont découvert une pomme qui grossit dans la terre. Ça se mange, ça? Mais non, c'est bon que pour les cochons. Ah, bah ça va nous changer de la soupe de tous les soirs. Hé, il y a aussi le légume, là. Ah, comment que ça s'appelle? Ah oui, la tomate. Ça a l'air bon, ça aussi. Oh, il commence à se faire tard. J'ai fini ma toile, moi. Allez, j'y vais, l'éducace. D'accord, bah on reparlera du nouveau monde demain. Allez, à demain. Sur le port de Bayona, il est 9h du matin. Sophia, Maria, Carolina et Angelina réparent les voiles des bateaux. La Mina et la Pinta qui sont revenus la veille au soir de leur expédition au nouveau monde. Au fait, avez-vous eu un écho de la découverte du Nouveau Monde? Apparemment, le voyage a été très périlleux. Mon mari m'a raconté qu'ils ont pris plus de 2 mois en mer avant de faire une escale sur l'île de Guyacani. Pourquoi le Santa Maria n'est pas revenu avec la Mina et la Pinta? Le vent soufflait dans la nuit de Noël. Elle n'a pas résisté et s'est échouée sur la grève. Je n'ai plus de fil, je vais aller en rechercher dans l'atelier. À ce moment-là, Diego et Victor arrivent pour nous porter de nouvelles voiles à réparer. Hola, avez-vous des voiles mises à neuf? Si, Maria et Angelina ont fini de réparer leurs voiles. Des Melas Las Voy Guarda. Le mât de la Pinta a été endommagé. Je vais m'installer près de vous pour la réparer. Carolina partit sans aucune explication, mais nous pensions que cela était pour son regretté frère qui était malheureusement dans la Samba Maria. Excusez-moi pour cette attente, je ne trouvais pas la bonne teinte de fil.
un des nouveaux aliments qui n'existent pas chez nous, comme des fruits ronds, rouges, avec une tige et des pépins. De plus, ils ne parlent pas la même langue que nous. Et leur façon d'être n'était-elle pas sauvage? Ils avaient une drôle de façon de s'habiller, car ils n'étaient presque pas habillés. Mais comment ont-ils été élevés? Bien volé! Tu as tellement manqué! Et toi, fils? Oh, tu as tellement grandi! Oui. Oh, mon mari, comme tu as maigri! Certes, j'ai maigri, mais certains de mes compagnons sont morts par famine. M'as-tu ramené de la soie ou des épices? Non, mais nous avons découvert de nouveaux aliments et un nouvel animal, une sorte de poule. Père, quels sont les autres aliments que tu as trouvés? Nous avons découvert une nouvelle graine, du cacao. Il faut la moudre pour la consommer. Antonio. Si. Désormais, nous serons riches. Peu importe, du moment que tu es en vie.